Eh bien salut à tous Alex, j'espère que vous avez la forme, moi écoutez ça super, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer le coffre au trésor et le défi photo pour cette nouvelle saison, la saison de Noël qui est enfin arrivée, ça fait vraiment super plaisir, le Père Noël secret également, vous pouvez commencer à envoyer des cadeaux à vos amis et autres joueurs via la boutique Forzaton et l'envoi de cadeaux. Dès qu'on aura fait assez de cadeaux, nous pourrons débloquer la nouvelle voiture, autrement dit la Lamborghini Sian Roadster. Donc n'hésitez pas à bombarder de cadeaux dès maintenant, vous pouvez à partir de cette vidéo, à partir de maintenant, n'hésitez pas vraiment à bombarder de cadeaux. Et également, si vous voulez bombarder les choses, n'hésitez pas à le faire en commentaire également, de likes, de pouces bleus, d'abonnements, ça me ferait vraiment super plaisir. J'aimerais vraiment que voilà, vous soyez au taquet pour que ça aide un maximum également de personnes pour aider un petit peu la communauté à travers ce coffre au trésor, ce défi photo, etc. Et évidemment, si jamais vous ne le savez pas, chaque semaine, je fais une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc si jamais vous me découvrez sur la chaîne, vous savez, chaque semaine, il y a un petit tuto pour vous présenter tout ça. Donc globalement, voilà un petit peu les nouveaux véhicules. Je vais les passer rapidement, c'est pas le sujet de la vidéo. La Javelin, la Plymouth Fury, petite Caddy, Limo, la nouvelle limousine, et également la MC Rebelle, voilà pour tout. Alors dans la sélection du festival, on va pouvoir directement aller voir ce qu'il y a comme coffre au trésor et comme petit défi photo. Le défi photo et le coffre au trésor vont être très faciles pour le coup cette semaine, je vais pas vous mentir. Donc ça va être relativement bien et pratique pour vous également. L'indice pour le trésor du coup c'est rentrer chez vous pour les vacances dans un modèle d'un constructeur écologique réputé. Donc ça va être assez simple je pense, vous devez peut-être déjà deviner quel véhicule il s'agit. On va aller voir ça directement et rentrer chez vous je pense que c'est simplement aller dans une maison parce que également le défi photo se trouve dans une maison de joueurs. Ah, j'en profite pour parler du défi photo qui s'appelle cache-cache, photographier le bonhomme de neige à la maison de jour de Casabella à Morelia. Donc voilà, très simple. Vous allez ici, donc cette maison là qui s'appelle la Casabella, donc dans l'espèce de petite ville, très simplement en bas d'autoroute. Vous allez ici devant la maison, tout simplement au niveau du petit chemin pour entrer dans la maison. Et vous allez pouvoir prendre en photo ce fameux bonhomme de neige qui est juste ici. Pas de souci par rapport à ça, c'est assez facile. Et voilà, le défi est validé, ça c'est cool. Allez maintenant on repasse au niveau du coffre au trésor, donc l'énigme c'est très simple en fait, il ne suffit pas de rentrer dans une maison comme je l'aurais imaginé, c'est un peu plus recherché que ça, donc pour le coup je pense que vous allez galérer, il faut faire entre 3 et 5 km à peu près de route avec cette voiture là, je vous l'ai pas montré d'ailleurs, je vais vous montrer également quel modèle c'est exactement, c'est la Aston Martin V12 Vantage S de 2013, donc voilà, voiture qu'il va falloir améliorer si vous voulez que ça aille un peu plus vite. Pour faire le défi nécessaire et débloquer l'indice pour le coffre au trésor. Allez, ça y est, le défi au trésor est terminé. Il faut faire à peu près la grande partie de l'autoroute. Donc faites-la en entière. Prenez un réglage en vitesse max éventuellement, comme ça vous êtes tranquille. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'indice qui est maintenant lié. Et du coup, ça nous donne ici, je sais déjà exactement où est-ce que c'est. On va maintenant s'y rendre, c'est ici tout simplement. Mettez le point là où je vous le mets ici. Pour ceux qui l'ont débloqué, n'hésitez pas à regarder au niveau du panneau ici, du panneau XP. Et ça va donc vous amener au niveau de la place centrale du jeu. Place centrale dans laquelle on retrouve pas mal de cadeaux, c'est très bien décoré pour le coup, vraiment j'adore. Et on trouve du coup ce dôme avec le coffre au trésor tout simplement devant le sapin. Allez maintenant c'est bon, on va pouvoir du coup récupérer le coffre au trésor, le fameux les 100 points Forza qui sont récupérés très simplement grâce à cette petite vidéo en tout cas. J'espère que celle-ci vous aura plu, je vais pouvoir vous laisser là-dessus, ma vidéo vraiment express pour vous donner vraiment l'essentiel des informations. J'espère qu'elle vous aura plu, si elle vous a aidé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner. Vraiment ça fait super plaisir, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de me remercier pour les vidéos qui arrivent chaque jeudi par rapport au coffre au trésor, aux objets collectables, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire également si ça vous plaît. Pensez bien également à rejoindre le serveur Discord, c'est important pour pouvoir participer à des giveaways de crédit, etc. etc. comme je vous en parle très souvent. Moi du coup, je vais pouvoir vous laisser là-dessus. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Alex. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à la prochaine.